Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le banc de fluidisation. La fluidisation consiste à mettre des particules solides en mouvement dans un fluide. C'est le meilleur moyen pour mélanger ces deux phases non miscibles. Ce pilote est constitué d'un débitmètre, d'une vanne générale d'air comprimé, surmontée d'une vanne de réglage. Il dispose de deux colonnes relié à un dispositif de mesure de la pression. Ce manomètre peut être réglé grâce à un système de vannes 3 voies. Voyons maintenant comment lancer l'installation. On ouvre tout d'abord la vanne générale d'alimentation, puis on choisit la colonne avec laquelle on souhaite travailler, ici la colonne 1. Ensuite, on ouvre les vannes du manomètre de manière à sélectionner cette colonne. Si la colonne doit être remplie avec le solide, il faut tout d'abord déconnecter les attaches rapides au niveau des manomètres, puis dévisser la colonne en commençant par le bas, puis par le haut. La colonne est retirée pour être remplie de solide, puis elle est repositionnée en effectuant les opérations inverses. L'installation est alors prête et l'étude de la fluidisation peut alors être effectuée.